Ya. Voilà. Bon. 50 likes, les gars. Bro, franchement, pile poil, parfait. Je suis fier de vous. Je vous remercie. Ça fait chaud au cœur d'avoir une communauté aussi active. Bon, alors. Vivons vos commentaires. Il y a beaucoup de faux, beaucoup de vrais. Et lui facile, il n'a pas répondu, c'est dommage les gars. Bon. Alors. Bon. Rapidement, ça c'est le mâle, ça c'est la femelle. Mais c'est pas ton la couleur qui fait la chose. On peut trouver des canards femelles coloris mâles. Deux différences particulières. Alors. La première. Doucement. Déjà, pour les mâles, il y a la queue qui remonte à l'arrière, la petite plume à l'arrière. Ça, c'est la plume sexuelle du mâle. Seuls les mâles l'ont. Ensuite, vous remarquerez qu'il ne fait pas, quand le mâle pile, il ne fait pas de bruit. Le canard mâle ne cancane pas. Au mieux, il pousse un petit sifflement, comme ça. Je ne sais pas si vous entendez. Mais il ne cancane pas. Il est silencieux. Bon, il est aussi plus grand, en général. Bon, la taille, et ce sont des espèces canards couleur indien, au cas où vous ne saurez pas. C'est d'où leur allure particulière. Ils sont très très longs. La femelle, quant à elle. Eh ben. Attendez. Eh ben. Vous voyez ? Tout de suite, elle cancane. La femelle cancane. Et vous remarquerez qu'elle est plus petite et qu'elle n'a pas la plume sexuelle du mâle à l'arrière. Et la couleur n'est pas celle de la femelle. On peut trouver des mâles blancs. Mais qui auront la plume sexuelle, comme le mâle qui s'est fait la mâle. Et ils ne feront pas de bruit. Voilà. Alors je vous remercie. Ah oui, et cette espèce ne vole pas. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. Je vous rappelle que pour vous, c'est rien. Moi, c'est énorme. Allez, merci beaucoup.